Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 7 de Mass Effect 2. Ouais, c'est bien le 7. Quelle heure il est 13h50 et moi je suis le samedi 17 janvier 2015. Vous avez vu, maintenant 2015 qui arrive. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi j'ai cette arme? Tiens, j'ai quoi comme arme là? La précision, elle est mieux quand même. Je vais plus essayer d'arroser en fait. Alors, qui est-il? Ah, pirater. Trouver les fragments du code correspondant, découper les sélectionner le code qui va avec le code. Situé en haut à gauche de l'écran, éviter le code. J'ai pas tout compris. Ah oui, d'accord. Faut que je trouve celui-là. Donc là, merde. Bah comment je le bouge? Cibler. Ah d'accord, c'est avec ça, ok. Ah bah non, merde. Pardon. Je l'avais déjà fait. Alors, on va essayer de pirater. Oui, c'est bon. Je me cherchais les touches en fait. Bah c'est celui-là. Comment on le valide? Quand on l'a trouvé. Je le valide comment? Ok, je sais pas comment on valide, je sais pas valider. Trouver toutes les correspondances à l'avant de la fin du tiroir. Bon bah, coffre. On l'avait déjà fait, je sais plus du tout comment ça marchait. Donc c'est celui-là. Là, je suis dans la merde. Oui, je me suis coincé. Et ça part super bien hein, l'épisode. Donc là, c'est commence par. D'accord, ça commence par ça. Je sais pas comment on le valide. Mais. On va éviter segment restant. Je sais pas comment on le valide. C'est ouf. Moi, jusque-là, ça va. Je n'arrive pas à le valider. Je vais essayer de rentrer. Non, même pas. Ah, d'accord. Ok, c'était nouveau du tout. C'est difficile ce alors, un. Oui, ça va. On évite de se moquer, s'il vous plaît. Alors, moi, je viens juste de me réveiller quasiment. What? Bon, on va recommencer ce coup-là, c'est bon. Ça va, 8 essais pour réussir. Il ressemble à quoi? Ok, il ressemble à ça. Bah je l'avais déjà sur je l'avais là, voilà. Ah non, c'était pas le bon. C'est pas le bon. Il ne reste plus qu'un essai. Ah non, c'est un autre maintenant. D'accord. Oh là là là. Et maintenant c'est celui-là. Oui. J'ai compris. Eh. C'est violent ou pas? Merci. Est-ce que je sais même pas si je vous explique possible, si je vous explique possible. Tellement c'était violent. La déchéance. Combien ici? Merde! C'est que du merde. J'engage. Ah, t'es déjà là, toi. Ok, Eh, hey, abaisse-toi! Putain, voilà! Je vais brouiller leur système. Baisse-toi! Putain.
fou, il a un bouclard. Oh là, c'est là, celle-là, je l'ai prise en pleine nuit, quoi. Oh putain! La magnétité est horrible. Hein. Toi, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas... Surcharge activée. Qu'est-ce que j'ai moi d'ailleurs pour y coller? Munition incendie. Eh ben voilà! Ouais! Une munition, c'est bien, c'est pas. Je veux que tout le monde sorte des labos pour m'épauler! Tous les étages, tous les avant-postes, go! Cadavre! Ah, d'accord, c'est tout. Accéder. Pourquoi je peux accéder à lui d'ailleurs? Eh oh! Waouh! Se mettre à couvert pour récupérer la cible. Ça va? Allez. Comment ça, tu n'auras plus d'envoyer les mégas? Oh la vache! Eh mais... T'es sérieux? Qu'est-ce que c'est chiant? Donc oui, pour se mettre à couvert, sortir du couvert, le truc est vraiment... La galère. C'est la galère. Oui, monsieur. Sur l'eau. Ah, ça c'est... J'ai rien fait par là. Ok. Ah, je suis full là. Oh. Donc là, c'est bon, c'est bon. Ok. On va essayer avec celle-là. Coffre-fort technique ready, c'est super. Bon, la suite. Concentrez le tir sur ma position. Concentrez sur... D'accord, extincteur. Ok, je m'en suis... Bon, c'est bon, je sais comment on fait. Alors, celui-là, c'est ça. Après. Non. Merde! Il y en a pas? Ah. Et là. Attends. Oh merde. Je vais chercher. Super. Ah, ça m'en annule un, d'accord. Et le dernier. Il est où? D'accord. Je
faire. Ah, je trouve que le faire une fois dégoûté. J'ai complet fail. Ouais, je suis trop mauvais à ça, je le sais, ça va, pardon. Pour les soleils bleus. Pour les soleils bleus, pour incendiaire, ça c'est bon. Onde de choc. Ah, ça c'est pratique une mission incendiaire, Fred. Merci. On va se mettre à couvert. Comment je mange ? Ouais, ça mange en pleine nuit. Putain, la main. C'est pas. Waouh! Ah ouais, ma bouge de pote. Je suis seul, je suis dans la merde, moi. Sortez là, les gars. Je me mets à couvert. Ennemi abattu. Eh oh. Je suis en mode Oh, bah vas-y, laisse-moi faire un petit peu là. Bonne nuit. Oh la vache. Cheval raise. Maintenez ma joueuse repoussée. Ah, d'accord, impossible. Bon. C'est-à-dire qu'il y a encore des ennemis là. Allez, encore. D'accord. Je vais fouiller leur système. Je vais me mettre à l'abri alors. Wouah, la vache! C'est plié.
j'arrive. Bonjour, je suis super nul au jeu de tir. Est-ce que je peux traiter ce que je commence à... Surcharge. Impossible encore. Aïe aïe aïe. Bon bah je vais descendre et me rejoindre à vous. C'est bon, allez viens. Prends des munitions. Ouais, ouais, 4, c'est bien. Eh hey, boucle là. Boucle là. Ah tu brûles. Biatch. Biatch. Ah ça y est le voilà. Eh bah putain. C'est pas dommage. Bon ça va mieux. Là, on peut voir la porte de là. Ok. Ah, c'est chiant, oui, quand on court, on peut pas tourner. Et là, je cours. Et là, j'essaie de tourner. Je suis à fond. Hein. Ah, c'est horrible. Allez, on continue. Voilà, wow, ça, c'est l'épisode un peu de la bouche. Je sais pas. Anna. Ouais, je te connais. Je vais juste fouiller un petit peu avant. Je m'excuse, hein, mais... Ah, celui-là qui est super facile. Que je réussisse une fois sur 10. Et de 1. Wap, hop, hop, hop. Alors, je pense à sauver le cul, en fait, à chaque fois. C'est moi ou j'en vois pas? Ça commence par plein de verres. Tac, et le dernier, bah, c'est là, c'est une ligne blanche au début, c'est ça, c'est pas ça, merde, ça, c'est pas ça, c'est ça, oui, yeah, merci, Rana. J'ai désactivé les caméras de sécurité dès que je vous ai vu. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais les choses étant ce qu'elles sont, je suis heureuse que ce soit vous. Pardon, Rana Tanoptis. Vous m'avez laissé m'enfuir en détruisant le labo de Saren sur Virmir. J'ai dû faire la course avec un champignon nucléaire dans un module de secours, ah oui. Mais ça reste une seconde chance. Qu'est-ce que tu fais là? Je suppose que vous avez une bonne raison d'être dans ce labo. N'ayez crainte, je n'ai pas gâché la chance que vous m'avez donnée. Mon travail ici a un but salutaire. Pas pour les mercenaires. Jedora est en plein délire mégalomane. Mais les recherches de Hokir peuvent porter leurs fruits. Même si ces méthodes sont un peu radicales. Nous avons tous besoin d'une seconde chance, n'est-ce pas? Et parfois, tout le monde y gagne. Moi, je veille à toujours rembourser mes dettes. Les recherches de Hokir... Qu'est-ce que Hokir m'a dit, Gans? C'est compliqué. Jedora l'a chargé de lui constituer une armée privée, mais Hokir ne lui accorde aucune attention. Il a ses propres raisons. J'ai créé une routine éducative pour ces spécimens in vitro. Mais la plupart ne dépassent pas les premières étapes. Ceux-là, apparemment, ils s'en débarrassent. Il veut aider les siens, mais il ne cherche ni un remède au génophage, ni un élevage en masse. C'est tout ce que je sais. Ok. En fait, je voulais aucune des trois, moi. Bon, bah... Je suis toute petite, elle. Moi, je trouve ça dans un endroit comme ça, je me dis que j'ai été trop gentil la dernière fois. Ce serait pas bon pour vous, ça. J'en conviens. Ouais. N'ayez crainte. Je n'ai aucune intention de me mettre en travers de votre chemin. Bien au contraire. Maintenant, si vous permettez, je vais prendre mes jambes à mon cou avant que vous ne fassiez sauter cet endroit. Je connais vos méthodes.
Donner une seconde chance, je suis pour. Une troisième, c'est trop. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Et encore, des fois, la seconde chance... Ok, donc là... Oh putain. J'ai gardé un œil sur vous. Bon, bah, chez les gars. Pas trop tôt. C'est pas en faisant mumuse avec ces cons de mercenaires qu'on va arranger les batteries des cuves. Oh, est-ce que je laisse ça pour le prochain épisode? Non, je suis... Ok, j'imagine. Vous n'avez pas l'air particulièrement prisonnier ni heureux de me voir. Vous avez beau prétendre vouloir m'aider. La venue du célèbre Shepard, qui a vaincu même la mort, n'annonce pas la détente cordiale. Ça vous surprend? Tous les Krogan doivent vous connaître. Je parie que Rana vous a déjà rappelé vos actes sur Vermeer. J'ai fait une suicide. J'ai la conscience tranquille. C'était la solution la plus efficace. Bah oui. Mais je ne vous jette pas la pierre. Les gringalets de Saren n'étaient pas de vrais Krogan. La quantité seule ne signifie rien. C'est une erreur d'étranger. Une erreur que ces mercenaires ont faite eux aussi. Oui. J'ai donné à leur chef le rebut de mes troupes. Mais elles s'impatientent. Il est temps que vous me fassiez partir d'ici. C'est pour les récolteurs qu'on est là, pas pour vos problèmes. Je vois, oui. Les attaques de récolteurs ont augmenté. Mais c'est un problème propre aux humains. Moi, mes buts étaient ailleurs. Oh, t'es parti? J'ai obtenu le savoir permettant de créer un soldat pur. Grâce à cela... Je vais infliger aux génophages la pire insulte qu'on puisse faire subir à un ennemi. Je vais l'ignorer. Tu te joins à nous, ouais, un petit Krogan, ça peut faire plaisir. Vos méthodes sont radicales, mais vous savez lutter contre une menace. Vous voulez nous aider? Je peux peut-être conclure un marché pour partir d'ici. Mais ne comptez pas récupérer mon prototype. Il représente mon futur. Oh, ouais. Voilà. L'heure est venue d'inverser les rôles. Gazez les soldats et reprenez toutes les données d'Okir. Videz les cuves. Ah. Elle est aussi lâche. Elle est prête à tuer mon futur d'une simple valve. Shepard, vous voulez des informations sur les récolteurs? Alors arrêtez-la. Elle va tenter d'accéder aux agents pathogènes de l'entrepôt. Pourquoi ne pas recommencer? Pourquoi je vous aiderai? Pourquoi je vous aiderai? Ouais, bon, je sais un peu. Pour qu'on fasse partie de la Wiki. Fais-moi le malin? Non, pourquoi je vous aiderai? On n'est plus loquace maintenant, hein? Vous foutez pas de moi, ok? Je vous donnerai tout ce que je peux. Mon futur ne doit pas subir cette insulte. Vous trouverez sans doute Jedora près des cuves des rebuts. Tu es là. Moi, je reste faire ce qu'il faut. Ok. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va bloquer. Hein, forcément. On va s'arrêter comme ça. On va faire la sauvegarde classique. 7, donc 8. Et moi, je vous donne rendez-vous donc jeudi matin pour l'épisode suivant. L'épisode 8. Allez, ciao tout le monde. Pousse.